Coucou les choucroutes, ici Lupina pour un nouvel épisode de l'histoire des dégalienties. Vous avez voté pour le bal, alors le voici. J'ai aménagé l'ancienne chambre d'Igor et Léontine. Donc j'ai mis de quoi se rassasier, des petits bonbons. J'avais mis du thé, mais il a pourri, donc c'est génial. Et ici. J'ai mis une petite pièce où Bertie pourra se faire un petit tête à tête avec ses potes. Alors, j'ai invité tous les enfants vampires, enfin 100% vampires, ou euh, les enfants qui vont prochainement être vampires, puisqu'en fait, dans le lot, il y a deux familles, donc c'est quelle famille, je ne sais plus. Euh, la famille Tolmen et la famille euh, Story Vampire, voilà, c'est les bons. Alors, pour vous expliquer, Story Vampire, le petit garçon, c'est euh, issu d'un premier mariage humain. Donc, du coup, il est humain, mais j'ai. En fait, je me suis dit, euh, comme il n'y a qu'un seul humain dans la famille, bah, il n'a qu'à se faire vampiriser plus tard. Voilà, donc euh, on va dire qu'il est vampirisé, mais que euh, ses pouvoirs apparaîtront plus tard. Donc, il se fera mordre par Léontine et la petite Cristal. Elle a été adoptée par le frère et la sœur Tolmen. En vampire pur, nous avons Edouard, <laughs> Edouard, Gabriel, j'arrive pas à voir son nom, Maria, je crois qu'elle s'appelle Lady et Lindy. Donc eux deux, ils sont demi-frères. Et voilà. Bon, du coup, on va pouvoir commencer. Notre petite Bertie est sur son 31. Je voulais inviter leurs parents aussi, mais je me suis dit que. Euh... <laughs> Ça allait être trop chiant à gérer puisque là en fait j'ai fait un groupe pour qu'il pour qu pour... Pour qu se barre pas n'importe comment. Donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va se présenter à tout le monde. Alors une présentation amicale pour tout le monde. Non je veux pas danser avec Lady, je veux me présenter. Voilà. Ah bah elle, je me suis déjà présentée. Présentation amicale. Présentation amicale. Allez, ah bah, déjà fait et la petite cristal déjà fait. Ok, donc je vais vous montrer un petit peu chacun des enfants. Donc on a av on avons on avons tout à fait. Nous avons Maria <laughs> euh, Lady qui est juste ici. La même coiffure que Bertie, ça me fait rire, c'est rigolo. Le petit, je sais plus comment il s'appelle, Tu <laughs> t'appelles comment, gamin Tu t'appelles comment Mike Voilà, il s'appelle Mike. Ici, c'est Gabriel. Ce me semble. Ouais, ils sont kiki, kikis. Hein. Parce qu'ils bougent n'importe comment, là, ça m'énerve. Le chat, tu peux pas venir me faire un câlin plus tard Bah non Oh là là Donc ici, c'est Linda, je crois. Lindy. moi bon, j'étais pas loin. Oh, ce chat Excusez pour le bruit dans le micro. Frotte-toi bien au micro. Mais il se fout Tu décides, gros gueule chiant. La queue dans le nez, c'est super. La minute chat. Ah maman Bibou. Il ronronne en plus. Il est content sur maman. Bon, je peux jouer maintenant Merci. Donc, Lindy et Edouard. <laughs> Donc, Edouard, c'est bien un petit vampire, hein, ça se voit. Et on a oublié Cristal. Je crois que c'est Cristal. Hein. Oui, c'est ça, Cristal. J'ai eu peur. tu peux ouvrir les yeux, s'il te plaît? Oh ce chat. T'es chiant, le chat. Mais il s'est emmêlé dans le fil. Mais t'es cassé au pied. Maman elle est en train de jouer. Oh là là, c'est pratique, tiens. C'est vachement pratique. Oh là, les yeux roses. Ah, c'est bien ça. Ça change. Du coup, tout ce petit monde sera vampire. Moi, je dis que c'est déjà des vampires. Mais qu'ils n'ont pas encore leur pouvoir. Enfin, ou qu'ils seront mordus à dos. Enfin bref. Vous... Bref, c'est des... des vampires. Voilà, on va pas... <laughs> donc il y a combien Il y en a... Il euh... y en a 7. Il y a 7 enfants. J'ai l'impression que ça lag. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi mon PC lag. Je suis désolée pour ça. Du coup, il y a 7 enfants. Donc je ne pourrais pas vous faire un sondage sur le petit i comme d'habitude. Mais je vous ferai un lien... Euh un lien comment dire un lien pixel je sais pas si vous voyez enfin de toute façon je vais vous le mettre en description et dans les commentaires parce que je peux pas mettre plus de cinq options du coup vous choisirez l'enfant que vous préférez comme pour les petits humains qu'on avait croisés et ça aura une importance plus tard et si je peux je mettrai le choix multiple histoire que vous en choisissiez que deux enfin que vous en choisissiez deux ce serait bien voilà Oh pardon mon chat. Bah oui mais si tu te poussais aussi. Bon bah nous on va sympathiser avec tout ce petit monde. Ça va faire du bien à Bertie de rencontrer des gens. Elle s'est pas présentée. Bah bravo. Je te dis de faire des trucs, tu les fais pas. Sale gosse. Je vérifie qu'elle s'est bien présentée à tout le monde. Bah non, elle s'est pas présentée à lady non plus. Mal polie. Et tu dois te présenter hein, t'es la future reine hein. Il faut qu'il te respecte. Il y a des assiettes partout, c'est génial, j'aurais peut-être dû mettre une table. Attendez, je vais rajouter une table vite fait parce que ça ressemble à rien. Euh... Il y aura des changements aussi euh, d'ici quelques temps. Pas tout de suite. Pour le moment, euh, Bertie est bien en enfant, ne vous inquiétez pas, elle finira par grandir. Voilà, c'est mieux comme ça. J'avais engagé un mixologue, mais euh, pff, il a décidé de, de se casser. Ah, oh, je vous jure. Ah, va préparer du thé glacé, Léontine. Hop, donc Léontine aussi est sur son 31, avec ses jolies petites robes vertes. Voilà, bon, c'est Léontine, c'est pas un épisode sur elle. Alors, est-ce que tu t'es bien présenté à tout le monde Je crois qu'à lui, tu t'es toujours pas présenté Si, c'est bon alors, eh ben on va être gentil avec Gabriel, on va, être gentil avec, on va être drôle avec Lady, on va être gentil avec Mike. On va discuter de fractions, je pense que ça va le passionner le gosse. Hmm. Euh, discuter des centres d'intérêt. Edouard, on va lui faire une petite blague sur les éléphants. Voilà, c'est génial, génial. Ça va être euh, encore une fois un, ép un, un épisode. Un épisode. <laughs> Apprenez à faire de la liaison avec Lupina, où on va un petit peu monter la relation de tout le monde. Donc ça va, euh, on gère plutôt pas mal. Enfin, on est tranquille là. Ah j'ai verrouillé la porte pour pas qu'il se casse et qu'il fasse n'importe quoi. Sinon ça m'aurait saoulé. Et j'ai aussi un bug avec ce poteau, il veut pas s'afficher correctement, donc bah euh, bon, faites pas attention. <laughs> j'ai pas compris. Par contre, Grougal, c'est pas que je t'aime pas, mais tu, tu m'embêtes vraiment. Hum, mmh bah oui. mais gros en plus. Comment vous voulez enlever ce petit chat, pauvre bête. Alors raconter une histoire idiote. Augmente un petit peu avec Gabriel et Lady parce que c'est eux qui ont le moins. Voilà, discuter du meilleur violoniste. Allô. Et demander comment s'est passée la journée. Bon, par contre, Grogal, tu me déranges vraiment. Mon petit chat. Mon petit chat qui squatte. Allez, hop. Non, il est lourd en plus. J'arrive pas à l'attraper. Regardez. Une saucisse. C'est comme ça qu'ils présente les chats dans les trucs de beauté. Allez, <laughs> j'arrête de l'embêter, pauvre chat. Allez, du balai. Ah, c'est mieux. Parce qu'en en fait, ils me gêne et c'est chiant. Bon. Oh, elle est très joueuse. Deviens pas hystérique, hein, Ça m'embêterait que tu meurs. Euh, on va un peu augmenter avec Lady et Gabriel parce que là, c'est pas, c'est pas top top. Soit top top, s'il te plaît. Fais l'imbécile. Hop. On discute. Franchement, ils sont tous trop mignons. Enfin, ils sont trop trop kiki, les petits vampires, là. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai amené que les enfants. J'aurais pu amener les ados aussi. Mais je me suis dit que les ados, ce sera plus tard. Et euh, pour tout vous dire, je pense que euh, ceux qui auront un lien plus important avec Bertie, ce seront quand même euh, les enfants. Humains, vampires, etc. Ce serait quand même les enfants parce que. Parce que bon. C'est plus simple. Enfin, niveau chronologie, c'est plus logique. J'ai eu un vieux blanc, là, je suis désolée, mais c'est plus logique niveau. Enfin, dans ma tête, c'est plus logique que ce soit les enfants. Qui est un truc privilégié. Bon, toi, tu vas aller jouer du truc. Voilà. Est-ce que tu peux aller prendre un petit verre, toi un petit verre de thé glacé. Elle est très joueuse, là. Faut pas qu'elle devienne trop joueuse non plus. Voilà, donc dans leur groupe, ils mangent, ils dansent, ils font de l'instrument. Euh, et ils chantent. Est-ce que vous pouvez tous chanter ensemble Non, ils peuvent pas. Dommage. Mais Bertie, euh, tu pourrais au moins ranger tes trucs. Grosse dégueulasse. Au moins, ça sur la table quand même. <laughs> Tiens, va manger ça, c'est quoi Un macaron aux amandes, trop bien. Va manger des macarons. La petite Bertie. Du coup. <laughs> eh mais avec Lady, ça monte pas du tout. Hein. <laughs> ah la vache. Encore une fois, euh, pendant les votes, je vous demande d'être fair-play, c'est-à-dire de voter vraiment pour votre gosse préféré, pas forcément celui de vos potes. Bon après, euh, je pense pas que vous soyez ce genre-là, mais je vous le dis au cas où. Bah je sais pas, euh, essaye d'être sympa avec elle parce qu'elle a l'air de s'en foutre totalement, hein. Genre, <laughs> désolée, je m'en fous. Surtout que son père, si je dis pas de bêtises, c'est c'est un des, des plus grands fidèles de Léon, de Léontine et de et Igor, donc. Euh... On va être gentil avec Cristal aussi, puisque ce sera sûrement... D'ailleurs, ce... est-ce qu'il pourrait être bien Oh, j'ai une idée J'ai une idée Voilà, je vais la noter et vous le saurez plus tard. <laughs> vous devrez voter plus tard. Faut que je la note, faut que je la note, parce que je vais oublier. Euh, je la garde dans le coin de ma tête. <laughs> ce sera un, un de vos nouveaux votes. Mais c'est pas à Cristal que je veux parler en plus, ça l'est dit. Depuis tout à l'heure, je parle à Cristal. Tout va bien. Mais ça n'a pas l'air de monter, toutes les deux, hein. Qu'est-ce qu'il y a Tu l'aimes pas tu vas nous faire un petit caca nerveux. Oh, sale gosse. Moque-toi des adultes, je sais pas. Bon, on va discuter. Oh, on va danser avec Edouard. Édouard <laughs> Non, du coup, il n'y aura, aura qu'un seul choix dans les votes. J'ai dit tout à l'heure qu'il y en aurait peut-être deux, mais il n'y en aura qu'un seul. Ça se goupille petit à petit hein, aussi. Je fais un peu de l'impro, donc euh, tout n'est pas écrit. Donc, m'en veuillez pas si des fois je me contredis. C'est normal. Moi, <laughs> bon, en tous les cas, ils sont trop mignons. N'oubliez pas surtout de cliquer sur le lien dans les commentaires ou dans la description pour aller voter. C'est important. Du coup, la danse avec Edouard, c'est magnifique. Regardez ça. Ouh, je danse comme ça. Ouh, je sais pas ce que je fais. Ah, putain. Tiens, on va parler avec Lindy, tiens. Lindy. Ah, c'est Maria, mais c'est pas grave. La honte, je connais pas les, les gens. <coughs> oh, j'aimerais bien faire un truc. Genre. Hum. Euh... Euh... Je voudrais je voudrais bien qu'elle euh, qu se mette. Euh... Je vais y arriver, hein. Qu'elles se mettent en tenue euh, tenue habillée. Tenue de fête. Ah voilà. C'est ça. On va, voir, on va voir leur tenue de fête à tous pour voir. Voir la tenue de fête. Toi aussi tenue de fête. Ce sera, ce sera un peu plus sympa, je pense. Et le chat fait le con, sinon c'est pas drôle. Tenue de fête. Après les, les petits, je ne les, je les relookerai re pas. Hein. Je vais peut-être juste les relooker si vraiment leur look est absolument atroce quand ils seront ados. Mais sinon, euh, vos sims, y touchent touche pas. Hein. Je les laisse comme vous les laissez. Donc, euh, donc voilà. Comme je trouve ça un peu plus respectueux. Ah bah les kikis là. Oh, est trop mignonne Maria. Après elle est trop mignonne aussi en normal avec ses petites tresses. Ah bah c'est cool ça, c'est cool cool cool. Les aussi, elle est belle. Elles sont toutes belles, hein. Elles sont tous beaux. Mais vous avez pas l'air de vous mettre vous, hein. Vous avez l'air de vous en foutre totalement. Allez, Cristal, je veux voir ta tenue de fête, s'il te plaît. Ah lui c'est bon What the fuck <rire> Ok, <rire> pourquoi pas T'as tout compris à la vie, Cristal. <laughs> euh, je crois que c'est ta tenue de fête, mais je suis pas sûre. Du coup, ça fait très. J'aime bien aussi parce qu'il y a des zombies, hein, des zombies. Je sais pas pourquoi je parle de zombies en ce moment alors que c'est des vampires, mais c'est pas grave. Il y a des vampires qui sont un peu, euh, un peu comme Bertie, c'est-à-dire qui sont restés dans une vieille époque. et Il y en a d'autres qui sont modernes, donc je trouve ça, je trouve ça fun aussi. Comme la petite, euh, la petite. Euh, donc ça c'est bien Lindy, voilà. Je sais pas pourquoi je dis Linda depuis tout à l'heure. Je mélange Maria et, et Lindy en fait, donc ça fait. Oh ok. <laughs> bon ben... Bah, mets-toi en habillé plutôt. <laughs> oh non, mais c'est sérieux, c'est sérieux. <laughs> voilà, mettez-vous en habillé, toi aussi. Oh non, j'ai pépé. <laughs> Qu'est-ce qu a fait Mais, mais pourquoi on peut pas Oh, bah prout hein. Bah toi alors peut-être aussi en habillé. On va voir ce que ça donne. et Je me trompe en plus de là. Ah ça s'arrange pas mes pauvres hein. Faites. Voilà. Tenue. Non, mais pas de fête. Je suis bête. Ah non, hein, le chat, tu vas pas manger les pieds, s'il te plaît. Tenue habillée. Voilà. Elle peut changer ou pas Ah bah il est kiki là. Bah voilà, ils sont bien. Est-ce que vous pouvez vous changer Ah super. En plus, j'avais hésité à mettre cette robe là, mais j'ai bien fait de mettre celle là. Grougal, qu'est-ce qu'il fait Il est dans mes jambes maintenant. Il fait n'importe quoi, ce chat. Que des conneries. Bon, change, Germaine. Lindy, change-toi. S'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il fait Gros gal. J'ai le casque qui tombe en plus. Ah, super. Bon, bah c'est super comme ça. Ils sont tous bien là. Oh, ils sont trop mignons. Alors, avec qui ça va pas trop Avec Lady. Et Gabriel, Gabriel il est là. Bon après on peut pas être ami avec tout le monde, hein, mais je vais essayer que tout le monde soit à peu près au même niveau. Comme ça, ce sera, ce sera plus sympa, je trouve. Mais en même temps, si tu parles des fractions, le, le petit il en a peut-être un peu rien à faire. et ouais, toi tu en penses quoi des fractions <laughs> Je m'en bats les couilles, frère. <laughs> je pense que c'est trop ça. Oh, ils sont trop mignons, ils se font un câlin. Oh, les petits babouins. Je vais faire un petit peu avec Maria aussi. Maria Elle est là je crois, c'est elle Ouais. Donc euh, Maria et Gabriel sont frères et euh, Mike et Lady sont demi-frères. Demi-frères et sœurs. Pour vous remettre un peu le contexte. Je ne sais plus qui les a créés, enfin je ne je, je l'ai pas en tête en tout cas. Euh, donc je laisse les créateurs le mettre dans les commentaires si vous voulez savoir, je, je, je me souviens juste que Mike et Lady c'est euh, Battle Gamer, je crois que c'est tout, et il y, y en a c'est de Maxoun, mais euh, les autres je sais plus, je suis désolée, je suis vraiment désolée, je pourrais ouvrir mon carnet mais j'ai la flemme. <laughs> et le chat mais c'est pas possible, il a toujours un truc, et ça monte vraiment pas avec Lady hein. Pourtant, euh, je lui parle autant, je lui parle même plus qu'aux autres. J'ai pas trop compris là. Pourquoi elle est mal à l'aise, la petite Bon, je vais quand même euh, débloquer si jamais ils veulent aller aux toilettes ou je sais pas. Ah mais parce que depuis tout à l'heure, en fait, je me trompe de... <laughs> je me trompe de perso. Je suis avec Cristal alors que je dois parler à Lady. C'est bien, tu <laughs> T'es intelligente. Je suis désolée si vous entendez mon chat. Il fait ça des fois. Il miaule pour rien. Il n'a aucune raison de faire ça, mais il le fait quand même. Et c'est très pénible. Par contre, c'est dégueulasse ici. Ah bah lui, il fait la vaisselle. Bah c'est gentil, mais c'est pas ton rôle, petit père. Hein. Non mais il est sérieux Ah bah on va t'embaucher, Gabriel. Hein. Tu vas venir faire le ménage. Tu fais le ménage. Euh, Léontine, viens nettoyer. Arrête de jouer de l'orgue, viens nettoyer. T'es quand même censé surveiller tes gosses là, on est en train de surveiller. On est bien là. On est bien, bien, bien. Ah bah voilà, ça monte un peu avec la petite lady quand même. Quand même. Discuter du meilleur violoniste. Bah c'est Bertie, bien évidemment. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à avoir eu le moins là Ah, c'est peut-être parce que Léontine, elle a sifflé. Ils aiment pas ça, les autres Sims. Bon bah tout le monde se casse donc on va, on va rester avec euh, les trois qui dansent. Plaisanter sur les toilettes. Ok super, on va faire une blague de chiotte à Edouard. <laughs> c'est génial, on adore. <laughs> tout va bien, on reste avec Maria et avec Lindy. Donc c'est parfait. Donc n'oubliez pas de voter pour l'un de vos enfants préférés sur le lien euh, pixel, si je ne me trompe pas de nom. Parce que je ne l'ai pas encore fait, évidemment. Il faudra que je le fasse. Et oui, et oui, oui, oui. Mais ça sera fait, ne vous en faites pas. Bon, bah du coup il est quelle heure Ah On est resté toute la nuit avec eux. On est resté euh, super longtemps avec les, avec les petits. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va mettre fin à la réunion. En tout cas, c'est super qu'ils soient venus. Donc, on va gentiment euh, mettre fin à la réunion. On va attendre qu'elle ait fini euh, de leur parler. Bah, non, bah, de toute façon, elle est partie, euh, la petite. Donc, on va mettre fin à la réunion. Donc, ils vont rentrer chez eux tranquillement. Allez-vous Du balai Et on va aller se coucher. Voilà, on a fait une. Je sais pourquoi j'ai fait ça On a fait une bonne soirée, donc on va pouvoir aller dormir bien sereinement. Non, d'abord on va remercier maman. Donc merci maman, merci beaucoup d'avoir fait cette soirée, c'était trop bien. Voilà, devenir meilleure amie, redevenir meilleure amie plutôt. Voilà, merci beaucoup maman, c'était trop bien. C'est bien d'avoir des amis. <laughs> Je rappelle pour ceux qui arrivent en cours de route que euh, les enfants vampires n'ont pas le droit de sortir parce qu'ils sont vulnérables pour les... envers les humains et les... et les autres vampires qui seraient un peu qui, qui seraient ennemis à la famille et parce qu'ils n'ont pas de pouvoir encore les, les... les enfants et les bambins et les bébés. Il faut surtout les garder bien au chaud. Donc c'est pour ça que Léontine n'avait pas présenté les autres enfants avant à Bertille. Et je vais reprendre ma respiration. <laughs> Et le chat miaule encore. Mais pourquoi tu ne peux pas nettoyer Qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais nettoie Voilà Bon. Sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous remercie encore de voter, de participer dans les commentaires, euh, en votant, en, en likant. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis très émue que ma série marche. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et salut